Salut, salut à tous, bienvenue sur votre chaîne. J'espère que vous vous souvenez de cette image, vous vous souvenez de ce qui s'était passé il y a une année entre Inosbi, Papi Mbouma et Gaz Maurité. Nous allons un peu vous expliquer pourquoi est-ce que Inosbi ne passe plus chez Papi Mbouma. Vous avez l'émission B1 Music, une émission de musique, de chronique que vous connaissez tous, que nous connaissons tous d'abord, ceux qui sont en RDC, ceux qui vivent en RDC. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, bon, Papi Mbouma, il est connu, c'est un journaliste connu qui fait bien son travail. Et puis, c'est un chroniqueur vraiment connu qui reçoit tout genre de stars ici à Kinshasa. Un bonjour, Inosbi, en plein plateau, en train de faire son émission. Voilà Gaz Maurité qui arrive avec sa bande venir menacer Inosbi. Tout le monde avait condamné cet acte que Gaz Maurité avait fait de venir se présenter à l'émission en sachant que Inosbi était là, mais Gaz Maurité s'est justifié de tout. Aujourd'hui, nous allons vous en parler dans cette vidéo. Nous vous demandons juste de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, appuyez juste sur like, ça ne vous coûte rien du tout. Commentez si c'est possible, abonnez-vous, ça ne vous coûte rien du tout. On revient juste après notre générique. De vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et activer votre cloche des notifications pour recevoir toutes les notifications et likez la vidéo s'il vous plaît, partagez et commentez surtout. Comme on était en train de le dire depuis le début de notre vidéo, aujourd'hui nous allons vous expliquer comment est-ce que Gaz Maurité avait fait évasion dans l'une des émissions de Inosbi chez Papi Mbouma chez B1 Music. Et depuis ce jour-là, Inosbi a décidé de ne plus aller dans B1 Music. Jusque-là, il n'a pas encore déclaré officiellement de ne plus aller là-bas. Mais jusque-là, il refuse de participer, d'aller juste se présenter chez notre confrère Papi Mbouma, les grands frères Papi Mbouma. Inosbi a décidé d'abord de se retirer, vu qu'il était un jour dans une émission et que l'un des artistes musiciens venir faire évasion dans son émission. Il a pris ça comme du sabotage et il a directement dit à Papi Mbouma, c'était comme si c'était préparé. Quelque part, c'était préparé. C'est pourquoi, quand il était dans l'émission, on a invité Gaz Maurité à venir. Mais sachez que personne n'avait invité Gaz Maurité à venir et que Gaz Maurité l'avait fait de son plein gré et que Gaz Maurité a pu justifier cet acte qu'il a fait en disant qu'il est venu pour qu'il puisse discuter avec Inosbi, pour qu'il ne puisse plus avoir du palabre entre eux. Pour qu'il ne puisse plus avoir des problèmes entre Gaz Maurité et Inosbi, il voulait parler avec lui. Mais la manière dont il a appliqué directement, ça fait tomber tout Kadik, tout dans l'eau. Et puis là, directement, c'est devenu un conflit incontesté de Inosbi Gaz Maurité. Parce que Inosbi, à la fin de cette émission, Inosbi avait même fait des déclarations en disant qu'il pouvait même toucher Gaz Maurité sur les plans corporels, comme on peut le dire. S'y battre autrement, mais sachez que ce n'est pas arrivé, ça n'arrivera peut-être jamais parce que ce sont des adultes, ils ne peuvent pas se battre pour des histoires qui n'ont ni tête ni queue, parce que vous savez, dans la musique il y a toujours ces genres de choses, des tests, de tout ça. Mais si on leur demande en réalité c'est quoi votre problème, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher et pourquoi est-ce que vous vous battez, personne n'aura la réponse. Vous voyez, c'est juste une tension qui s'est tendue entre lui, Gaz Maurité et Inosbi. Et je pense bien qu'il y aura un temps où il y aura vraiment, c'était ça, et que nous voulons juste essayer de vous définir ce qui s'était passé, de vous montrer pourquoi est-ce que Inosbi maintenant n'est pas plus chez Papi Mbouma. Sachez que c'est dû à ce qui était arrivé une fois déjà avec Papi Mbouma sur son émission. C'est pourquoi Inosbi avait décidé réellement d'arrêter de passer là-bas. Jusque-là, la décision, elle est prise jusque-là. Et vous avez remarqué, vous tous, Inosbi vient de sortir son album, mais il n'est pas allé chez Papi Mbouma. C'est l'un des chroniqueurs connus de la RDC. Il n'est pas allé chez lui. Pourquoi?
Vous savez maintenant pourquoi. Là, nous venons de vous divulguer la vérité, nous venons de vous montrer la vérité. Maintenant, là, vous savez pourquoi. Nous pensons que dans quelques temps, peut-être qu'il acceptera d'y aller et de voir Papi Mboma, de parler et de passer dans son émission. Mais jusque là, la menace qui a été faite ce jour-là, directement, Inosbi s'est senti en insécurité, envoya l'artiste Gazmaot est venir avec tout un clic des gens et venir dans l'émission des Inosbi, c'est déjà quelque chose de pas bon, qui ne sent pas bon. C'était ça au fait. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont pu directement condamner Papi Mboma en disant qu'il a mal fait, c'est lui qui l'a invité, tout ça. Sachez que Papi Mboma ne l'avait pas invité. Papi Mboma n'avait jamais invité Gazmaot pendant qu'il était avec Inosbi dans son plateau. La personne qui est venue dire à Papi Mboma que Gazmaot était dans les studios, c'est la personne qui porte les chapeaux en t-shirt jaune. C'est la personne qui est venue annoncer à Papi Mboma que Gazmaot vient de faire apparition dans les studios et on ne sait pas ce qu'il est en train de chercher. Vous voyez, mais tellement que Inosbi était en colère, la sécurité de Inosbi était aussi en colère. Les gens, Prince, qu'on appelle Prince, le manager, était aussi directement de l'autre côté quand il a dit, il a prononcé ces mots en disant à Papi Mboma, mais pourquoi est-ce que vous faites ça et que si vous êtes s'ils sont en train de chercher de la visibilité, mais filmez-les et montrez aux gens comme ça, il aura de la visibilité comme il est en train de chercher, être vu. Et on avait compris que c'était quelque chose vraiment de très très mauvais, que tout le monde avait pris dans un mauvais sens. Nous tenons juste à expliquer ceux qui ne savent pas. Il y a plusieurs personnes maintenant qui sont dans notre chaîne, qui sont de la famille, dans notre famille maintenant. Surtout les Ivoiriens, les Camerounais, les Gabonais, on vous dit vraiment merci de vos abonnements, de vos commentaires. Vous êtes en train de commenter vraiment des choses qui nous touchent et vous êtes en train de nous écrire dans des emails et nous apprécions. Les autres, on est en train de répondre. Pour l'instant, on est en train de répondre petit à petit. Et merci toujours et continuez nous follow sur Facebook, sur Instagram. Et là, j'ai mis mon compte privé juste à côté. Ceux qui veulent voir la personne qui parle derrière le micro, vous pouvez juste aller sur follow sur Instagram et puis nous écrire, m'écrire à moi et je vais répondre. Là, c'est mon email personnel et là, c'est mon compte Instagram personnel. Je vous dis vraiment merci, merci beaucoup. Et nous pensons juste arrêter notre vidéo pour ne pas vous prendre plus de temps. Nous voulons juste essayer de vous éclaircir pourquoi est-ce que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre que Inosbi ne passe plus chez Papi Mboma. Nous avons déjà expliqué. C'était juste les petits contenus que nous voulons juste vous donner, vous montrer et vous faire comprendre pourquoi est-ce que ça fait une année que Inosbi ne passe plus chez Papi Mboma. C'est à cause de ça. Maintenant, vous le savez.